Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une panne. Alors, je vais parler en arabe et en français. اليوم غادي نهضروا على خطأ يصرا في الميكرو. Une panne dans le micro. À force de manipuler droite à gauche ou des virus ou je ne sais pas quoi, votre micro se plante. C'est-à-dire que il va vous lancer ce message que je vais vous montrer. واحد الرسالة يوريها لكم في الميكرو هي هذه قربيها قربيها مليح تما على على هذا الميك هذا سولون سو ميساج بوت ام جي اي از ميسينغ بريس اس تي ار ال بلس الت بلس دي دل تو ريستار. دونك هذه يقولنا المعنى تاعها باللي لازم تعفس على بريس على السي تي ار ال سادير سي تي ار ال هنا توري لي صباع وري لك سموه سي تي ار ال الت اي دل هادو الا قنا عفسوا عليهم فو كون ابوي سور لي تخوا بوتون انسامبل انسامبل اون ابوي سور لي تخوا بوتون اي فا سافيشي ان تابلو du BIOS. Donc le tableau du BIOS là يورينا تقريبا la panne, mais il faut des techniques. La première des choses, quand il y a la panne qu'on peut déchiffrer avec le CD, c'est-à-dire le matériel que vous avez acheté, et la deuxième avec un USB et qu'on fait le matériel téléchargé. Donc là on a plusieurs fonctions là. Standard CMOS, Advanced, plusieurs fonctions. Donc là, il faut savoir les déchiffrer. Si vous voulez entrer, par exemple, dans ce standard, vous appuyez sur Enter. Échappe, ça vous permet de revenir. Si vous voulez descendre, là, dans le menu, tapez sur le bouton, il y a le menu. Vous voulez découvrir qu'est-ce qu'il y a dans Advanced BIOS, qu'est-ce qu'il y a là, d'accord? Etc. Donc, là, on nous invite à presser sur Enter. Voilà. Là, on nous indique que le premier conseil pour booter, c'est avec 3M attaché, c'est-à-dire, c'est une fonction. Et la deuxième, l'IA, la deuxième, c'est celle qu'on va utiliser prochainement. Inch'Allah. Donc, c'est avec un CD, DVD que vous avez reçu avec le matériel. D'accord? Donc, ça, c'est un commencement. On espère que le dépannage de ce micro sera une réussite. Il y a qu'un Inch'Allah, on vous fera part dans une deuxième vidéo. Là, pour mémoire, quand vous êtes sur une fonction comme celle-ci, par exemple, vous voulez revenir, vous allez sur Échappe. Vous voulez encore revenir, vous allez sur Échappe. Et vous voulez encore revenir, là il vous mentionne OK, vous le faites avec Enter. Et là il va vous afficher encore le message, hein, le message, le premier message. Donc il tarde à nous afficher la panne. Mais on peut reprendre l'opération. Si on clique sur arrêter, on va arrêter tout simplement. Voilà, il s'arrête. On peut le redémarrer et il va nous lancer le même message d'erreur. Ce message d'erreur est arrivé, sera le message Bada, une mauvaise manipulation ou là trop de virus. Donc vous voyez le même message. Donc si je rappuie sur les trois boutons en même temps, vous allez voir que le tableau va apparaître. Donc, ça veut dire que la panne, elle est toujours. Donc, il ne faut pas trop toucher. Soit vous connaissez le principe et que vous avez le CD, vous suivez les différentes opérations, soit vous vous adressez à un spécialiste qualifié. Voilà, bonne fin de vidéo et je vous ferai part dans la prochaine vidéo comment arriver au résultat final. Inch'Allah. كيفاش نوصلوا للنتيجة بعد ما نحاولوا يعني كيفاش نصلحوا هذا الميكرو.
À la suite, bonne fin de vidéo.